On a l'axe des abscisses. Puis on a l'axe des Y. On a l'axe paradigmatique, puis on a l'axe syntagmatique. Au cercle de la garnison, ils sont beaucoup sur l'axe syntagmatique. Nous, en tant que les frères cueilleurs, chasseurs de fruits, on essaye de se situer sur l'axe paradigmatique. C'est-à-dire que le sens ne se dégage pas au bout de l'équation. C'est pas Régis plus A transformé plus la Saint-Jean plus en fête du Canada égale le sens. C'est crème glacée magnifique. Le sens se dégage entre le crème. On n'a même pas encore dit crème, le sens se dégage. On est vraiment sur cet axe-là. Si ça vous intéresse davantage, il y a toujours une couple de petites web que vous pouvez aller voir. Là, tu sais, ça ne sera pas même compliqué. Là. Pour moi, c'est bien important de mettre au clair. Parce que beaucoup de gens font des idées, demandent des questions qui n'ont pas nécessairement rapport. C'est-à-dire que, quand au milieu de la chanson, là, on est là en train de se demander, ben là, la chanson s'en va où? Tout ça a le sens de cette histoire-là. Ah là, on ne marche pas trop, hein. Mais c'est pas ça, on s'en va pas là, on s'en va pas dans le sens au bout de la chanson. T'sais. La chanson, tu le cherches là, dès le début, tu croises une petite roche, tu checkes en dessous de la roche, tu croises un petit cercle, tu checkes autour du cercle, tu vois une petite plaque financée par la GRHC, Gendarmerie Royale du Haut-Canada, hein? Tu sais que c'est pas la GRBC, hein? C'est la GRBC. On sait les échalotes. Moi, quand je vais arracher, on voit les échalotes.